Se ngona biso okutana bino pona ko sola mai libre de ba manaka na bino bozali ebele ya kozela biso lelo ezali libre de ba ordinaire tendenge za kama mesano tour ya actualité ndenge na pesa ki bino ba information lelo esengeli ba étudiant ba bilenge bozwa ba bloc note parce que matière ezali abondante esengeli quand même to permettre bino bo se faire une idée sur la compréhension de l'état na ba aspect na yango nyonso sur l'évolution des choses. C'est très important pour que boye batina na yango yango nde musala biso tozali na role pe ya construire et peuple nde yango tozali ko Isé na rôle wana pour nous permettre bino boyeba ou ezali mutuya na manaka na bino libre débat to tie rubrique ya sika officiellement avec l'intelligence ya mwana mboka Joel Muka depuis la Russie na pesi mbote oyo to réfléchir na yo to ya rubrique ya sika ya ko sanctionner ka ba politique oyo to monique na poso basali actualité et que basali musala malamu mingi tena suka na batope ba ko benga biso na bapel bo ko kipe ko sanctionner bango nani sengeli to pesa motane nani sengeli to pesa mosaka parce que émission a mercredi ti na ko sala yango ezate autour ya ba invité parce que ezali contradiction te ezali plutôt complémentarité autour ya ba thématique to ezali ko discuter au Italie mboka na biso République démocratique du Congo, ceux qui sont allés contre la malamo, ceux qui sont allés dans la bonne dynamique, ou bien c'est qu'un abysso, toi améliorer les angles des motos, il y a pas politique, toi sanctionner dans ce cas émission de l'autre aujourd'hui deux personnalités, il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, puis moi Namboka, Joseph Kabila Kabange, ancien chef de l'État, Bangomi Balé, Nano a milité Montane, au regard de l'actualité, il y a Poso, Augustin Kabouya, suscité qui, la réaction, il y a Kabilis, il y a Pesaki, Barbara Kanam, Asalaki, point de presse, pas des cas qui lobby, na Bosolo, na politique, et pas à confrère Israël Mutombo. On est allé pour la souka émission, pour que ça point de vue, il y a invité, pour qu'on intervienne, il y a un topé sa Montane, la majorité dominante, il y a un gros, il y a retenu pour nous rejoindre Montane, pour que ça c'est-à-dire que tu sanctionnes à se prononcer sur la place publique. C'est ça la nouvelle rubrique. Sikawa, Moboko, Yamokonza, Tope, sujet Nabiso Tokobeta di Solo Lelo, Ezali, Obenini, Ezali, sujet Moko éminemment scientifique et Sengeli, to discuter autour, Yaba fait et non, Yaba considération personnelle, Nino Tokobeta di Solo, Ezali, au regard. Il y a un élément constitutif d'un État, entre autres le territoire, la population, un pouvoir établi, c'est-à-dire un pouvoir public capable d'agir au bien de la population. Et puis, quatrième élément, à la limite, on peut penser à la reconnaissance internationale, où est-ce qu'on constitue un État pour que réellement on parle d'un État. Est-ce que pour les cas, il y a République démocratique du Congo, au regard, il y a hymne national, Nabiso Tolobi, debout congolais, est-ce que nous pouvons oser prendre le risque de dire que la République démocratique du Congo, c'est un État debout et que nous sommes en train de bâtir un pays plus beau qu'avant, Nangongo Tokobe Talisolo? Est-ce que le Congo a comparé à Congo et indépendance? Est-ce que le Congo a comparé à Congo belge? Congo ezali ko évoluer to ezali Congo ezali ko reculer yango nde moboko ya mokonza to ko solona bayi mayele ya mboka na biso bayi politique bazali na nga na mesa ya libre débat tongwa lelo to zali na maître ya politoscope moto ati en place concept ya sika na marché public ya intelligence mon mboka le coordonnateur national ya dynamique ya ba politologue ya République démocratique du Congo Christian Moleka azali na biso elongo to zali ko beta li solo ya libre débat lelo na ye to zali pe na mon mboka le politologue ya République démocratique du Congo, Mokoya Bayi, DPS, mais le loto zuye na carrure, ya scientifique, et non le contraire. Joseph Mbenza, Azay Nabiso, Longo, Petozali, na politologue de la nation, Mokoya Bayi, République démocratique du Congo, Focas, Koukeleme, Nganga Maele, Azay Nabiso, et Longo, Mokoya Bayi, nouvel élan, mais le loto zuye comme scientifique, mercredi, ba parti politique, les états-majors politiques, vont tenir, ba tout rigueur, parce qu'ils peuvent tenir certains propos, koukou, ko déranger, bino, c'est pour l'intérêt de la nation, Tozali, wana, pour nous plaire, bino, te, mais plutôt pour nous servir, Mboka. Ah, ouah, so, wazana, konyos, cité Kanga Bisaka Tala TV Moussousou. Moi Namboka Patrick Sahel Mpoy, le patron de tous les indépendants, yaba analyste politique ya République démocratique du Congo, Azay Nabiso Longo, Nabangonde Toko Sola Mai libre débat Tongwa Lelo. Et puis Nasuka Nango na deuxième tour Toko Tala, est-ce qu'il est possible d'envisager un état nation pour la République démocratique du Congo? Comment le construire, comment le projeter? Que sera le Congo en 10 ans? Que sera le Congo en 40 ans, 30 ans? Ndeango to masolo toko betali solo toko fungo la hostilité na Namboka Cordon Christian Moleka, mbote na yope boye imala mona libre débat. Sika ozali na 8 minutes pour nous replanter des corps. Est-ce qu'au regard des éléments constitutifs de la République démocratique du Congo comme un État, est-ce que nous pouvons l'appeler un État lelo? Au regard de ces éléments, est-ce que le territoire na yazali na ngwa en intégralité? Est-ce qu'azali na peuple, Tosca, est-ce qu'Azali qu'on construit peuple ou bien Azali à niveau dans la population? Quelle démarcation y a-t-il? Est-ce que reconnaissance internationale, déjà ça c'est un acquis pour la RDC parce que
Le loyo, tozai na hymne national na biso zoko loba na biso et sengeli tozala un état debout, un peuple debout qui est à même de bâtir un pays plus beau qu'avant. Est-ce qu'au regard de tous ces ingrédients, ces éléments mis ensemble, nous pouvons dire que nous avons un peuple debout et que ensemble tozako bâtir Mbokamoko Elongo Koleka Utakala. Merci beaucoup pour l'invitation Nayo, la salue ba collaborateur, motuna opesi ezam motuna makasi parce que et pour nous avoir ma thèse à l'université. Bon, bah, là, pourtant, dans la science politique, bah, le cas, la française, de quoi, là, bah, état bébé, bah, état fragile. Ils ont un concept, on met l'image qu'on a le canon sur les arbres. On va répondre oui et non, c'est ça que tout, bah, apparence. Mais moi, je crois que là, qu'on a un raisonnement, bah, doit comprendre ce qu'on va aboutir. C'est que ce qu'on appelle l'état, de manière assez simpliste, l'état, ils ont simplement projection à puissance dans l'espace. C'est la projection d'une puissance dans l'espace, c'est moi l'état. Ça veut dire, vous en avez pouvoir se projeter à couvrir Yango et la population à encadrer une population à habiter Yango et la projection on a établi une limite de la frontière européenne c'est les grandes souverainetés parce que dans quatre la frontière on a le sol faut moi le micro cordon c'est bon c'est parti on comprend là c'est important. Donc ce qu'on appelle l'État ce n'est que ou c'est la projection de la puissance dans un espace. Ça veut dire, Bozana Mabele Mokoboe, et si la puissance mon réseau s'exercer de manière na monopole. Et na kati ya territoire wana, ba otu ba na kati wana, baza sous souveraineté à pouvoir wana, et si kaya souki et comme une frontière, ba l'état moussou e bandi. Et donc, capacité à couvrir espace na population, n'est-ce pas la otu bien na kalita, yon otanga ki territoire, otangi population, otangi reconnaissance internationale à travers souveraineté, na y bazo garantir. Maintenant, est-ce que nous sommes un état? Nous avons commencé une constitution étatique. Tu bana ki yango, parce que l'état auto-hérité yango na période coloniale. Tu bana y constitution étatique, Outa époque coloniale, tu m'as dit que tu as dit aux yeux indépendance. Merci, ma. Tu m'as dit qu'on déconstruit l'État. Parce que l'État a une entité, mais entité est incarnée par Nîmes. Elle est incarnée par la puissance publique. Ou est incarnée par l'armée, la police, les services de sécurité, la justice, les prisons, ou bien la route, moyens régaliens. Il y a un monde qui a l'État. Sur l'histoire coloniale à Congo, qu'est-ce que les Belges ont commencé par construire? La force publique. Tant que les colons aillent, première chose au Stanley à Tongi, c'est les postes. Hein? Tant qu'il y a sur le chef coutumier, il y a un poste. Il y a un poste en Galima. Il y a un poste où on a tché drapeau pour installer l'autorité de l'État. À Tongi, il y a un poste qui a poigné sur un boca, Sima, une force publique. Pour qu'il y ait un élément de contrôle. Sima, une administration. A bandi qui a installé Nassé, l'État par les bas. Chefferie, village, secteur, district, province. Ba province, c'est Nassouka. Mais a bandi qui Nassé. Et tant qu'on a sali l'État par le bas, avant d'ici en haut, avec une force publique, une administration, a rendu qu'on encadre la population. N'est l'État colonial et Wotan. Mais tant que nous avons hérité dans le cannabis depuis l'indépendance, nous avons commencé par déconstruire l'État par le bas. C'est-à-dire, les lotants de l'Obaka, même tant qu'on a une réélection, tout le monde a reprenant un chef de l'État, gouvernement, parlement, pour l'abus de l'État en haut. L'État par le bas, qui est secteur, chefferie, groupement, village, tout abandonne l'organisation. Et ça, on a force soustée. Maintenant, il y a, sur le même film, qui incarne l'État? Mondele Pako. Mondele Pako, c'est l'agent itinérant. Pour qu'il y ait un village, pour qu'il y ait un Mbokawana, il y a un balabala, à travers le capital. Ceux qui ont un Mbokawana, il y a un coton qui allait coexister. Même au niveau de l'itinérance de la santé, c'est-à-dire que le Mbokawana, au moins un vétérinaire, un territoire. Azo les capaillés, ceux qui ont un vaccin. Mais les lots, autres bien qu'à Mondele Pako, n'existent plus. Donc l'État par les bas, tu déconstruis Yango. Ensuite, la nation. Polobi est en nation. Mais la nation, les Belges n'ont pas construit la nation. Pourquoi? Le Belge est-il congolais et indigène? C'est-à-dire qu'il y a la population ou il y a participé à la gestion. Jusqu'en 1958, c'est à partir de 1958, c'est-à-dire deux ans avant l'indépendance, n'est par la première consultation, il y a associé congolais à la gestion. Et 58, c'est vraiment l'indépendance. Après l'indépendance, comment nous avons travaillé à construire la nation? Là encore, nous avons déconstruit la nation. Pourquoi? Mais parce que les lots, le vivre ensemble. Est-ce que nous avons renforcé le vivre ensemble ou nous l'avons divisé et affaibli? Est-ce que les Congolais s'identifient comme fils d'un même pays? La nation est une construction. Est-ce que nous nous identifions davantage comme Congolais ou comme tribu? Quand je parle, on voit d'abord ma tribu ou on voit d'abord le pays? Les gens sont davantage de plus en plus identifiés à leur tribu. Ouais. Bah, parti politique et à parti tribal. Bah, leader, on a vu ce bata, leader, chef tribal.
Ça veut dire, et si il y a Botama, province n'a rien de ce que parti n'est installé. Mais si vous prenez Lumumba, Lumumba était leader à Stanleyville. À Kisangani. C'est un Moutete là, leader à Kisangani. Moutete là, leader à Kisangani. Après, à loin Kisangani, à Ye Kinshasa, leader à Kinshasa, dans les territoires des Nekongo et des Bangala. Mais accepté, et ensuite, accepté par tous. Accepté par tous. Ensuite, il crée un mouvement national. Mais le parti n'est pas son mingi. Et ça, parti national, car on a combo. Ce Otali entourage à leader, Nayemo leader, et ça, mon okambo kamoko. Conséquence, jour où on a un cabinet ministériel, au côté cabinet, on a leader, on a un conseiller, on a un collaborateur, et ça, mon okambo kamoko. Donc, chaque parti politique, aussi parti politique, on a mon okambo kamoko. Donc on dirait à l'époque Mozito na primature qui Congo ils ont commis langue nationale. Au parti politique au président. Au long ouais commis l'époque à Tibala na Samy Badi manga tu l'obanes au Obama. Ainsi de suite. Donc on t'a dit qu'à parti au président Munokamboka. Au PC parti au président Munokamboka. Alors que ce aujourd'hui Lumumba qui est notre tout le monde comme héros aujourd'hui quand on s'identifie, mais ce aujourd'hui tant bandit qu'on crée l'alliance au Essala qui la majorité parlementaire c'est PCA CREA. Mais alliance Waneza Kamita tout le père Gizenga à côté, Lumumba, Kachamura. Mais Eza Moutete là, Eza Moupende, Eza Mumbala, Eza quelqu'un du Sud Kivu. Mais il y a une alliance de majorité parlementaire d'indépendance. Bon, ceux qui n'ont 60 et là qui sont bon, comment les lots, tous les nation, tous les ici bas force tribale ou affaiblie nation. Donc, construction d'un biso, il y a une nation, État et Banda qui n'a pas l'époque coloniale, les Belges n'ont pas construit la nation. Tobandi bisomo reconstruction nation à partir d'indépendance. Mais ce qu'on se cordon parce que pour te contextualiser par rapport à l'actualité, quelle interpellation faire à l'État parce que le bien ngo bien on a cependé na approche na yo pour ngo lobaké pouvoir public on essengeli contrôler territoire et se mouvoir et se faire valoir et se faire remarquer batuno so bato sa yango mais le lot en termes de territorialité à la République démocratique du Congo, nous n'avons pas les kilos et les risques de dire que nous avons le contrôle et le pouvoir public se exerce partout. Nangaza sur le même territoire avec tout ce que nous sommes en train de décrire ici, mais on est incapable de les déloger. Mais tu perds de capacité. L'État a perdu de ma capacité ébellée, a perdu de ma capacité à projection en puissance, a perdu capacité à exercer. Car on n'a pas uniquement la zone à Kinshasa. Mais est-ce que tant que tu as un boulevard en Abisso, genre un boulevard du 30 juin, est-ce que tu sens qu'il y a une autorité de régulation? Tu sens vraiment que tu as dit que tu as un boulevard et tu es mis en 6 jours. Hein? On l'équipe le est-ce qu'on peut dire qu'il y a un pouvoir de régulation? On a eu un débat il y a même pas un mois sur un immeuble en construction à Gombe. Tu peux comprendre que l'État... Je peux vous affirmer que là immeuble à Seni. Ah. Bon, on a repéré ça bien une individualité, mais c'est l'immeuble de la Seni. Tu peux imaginer qu'on peut faire ce débat là dans ce qu'on appelle l'État est pareil à contrôle. L'État bandera contrôle tant au Botami dans un pays normal tant au Botami va payer sur acte de naissance tu es enregistré hein au côté de la base de données au ti mukolo kufa va payer sur certificat d'animation donc l'État a naissance l'État a alpha p omega c'est-à-dire à s'assurer de mon côté acte de naissance à s'assurer de mon kufi certificat d'animation. Mais pourquoi vous s'assurer que vous êtes collé? Il y a un vide là. On fout un pot, on est en école, on a diplôme. Mais vos obligations n'ont pas vis-à-vis. C'est-à-dire que l'État te trace. Pourquoi j'appelle l'État? Parce que tant que vous avez un acte de naissance, tant que vous avez école, vous avez un Uganda, tant que vous avez un diplôme, vous avez un diplôme d'État. Tant que vous avez une université, tu as repris. Tant que vous avez un Moussala, tu payes l'impôt foncier, tu payes les revenus locatifs, tu payes. L'État te suit. On va voyager après son passeport. Après son passeport. Tu vois, à chaque moment. Et ma donnée sur la base, mon conseil qui fait que tes mouvements sont suivis. Sur la compte bancaire, on te suit. Merci. Quand tu fais un flux financier, on te suit. Et tant qu'on confie, on se sent que le type est sorti du lot, quoi. Il sort de la machine. Merci, Cordon. Oui, mais maintenant, nous, la machine là, ça y pas beaucoup. Sur Taliba, tout les ébélés trop. C'est-à-dire, mon tabot a mis l'état ébiété. Tant qu'on soit collé, tant que l'état ébiété. Alors qu'une époque coloniale, pour l'ongwa village, ou à Kinshasa, il fallait avoir un document. Pour l'ongwa mobilité. Il y avait ce qu'on appelait l'AIMO, la service à l'indigène. Il y a la Kimingi na Pongabi. Si on a Kinshasa Sika, il faut que na AIMO ou déclaré qu'il y a Kinshasa pour 27 jours. Na revanda ici Katel. Bon, ça c'est les Belges, ça ne va pas contrôler la mobilité de la population. Et puis, tant que l'Iozonga, il y a Ovandi avant de passer à elle.
Bah, ça au Sahel, aux Uimuto pendant 27 jours. Au bout de 27 jours, il fazonge si kaouti. Et au bout de 27 jours, l'aïmo te rappelle que monsieur Fazonga, il y avait un appareil de contrôle. Merci. Au biso moko to déconstruit petit à petit. Donc hello, l'état la biso azasu nenga zala qui avant te rôle baté kaza un état debout. Merci beaucoup. Voilà la conclusion, on est là bien debout. Le concept debout. Les gens disent l'état zaka na moto, mais nous autres até makolo até. Ce que vous avez reconstruire, tout reconstituer, tout recomposer. Mais je suis un peu de fraction parce que tu n'en trouveras pas. Ah et là, je suis un peu de cognostéose, c'est-à-dire la dose suffisante de cognosti. Je suis un peu de je pense que je suis un peu de cognostéose. Mercredi, c'est un club. Et c'est un peu de habitué à lundi au regard de l'actualité. Donc, tout le mercredi, les éminents scientifiques ont discuté sur l'État, sur la nation, sur des sujets phares. Où ils vont permettre de mettre la glace. Est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas? Et c'est ici l'Université du Savoir, sur le plan télé-généité. Et là, je vais vous bien, vous pouvez présenter bien. Où est-ce que je vais vous dire? Télévision, bien sûr. Moi, Namboka, Joseph Mbenza, Sika Malobezali, Ongambo Wayo, Yosaki politologue, ces éléments constitutifs d'un État. Est-ce que le loso qui est examiné en gros des fonds en comble pour la Kaya République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a des raisons de le marier avec l'hymne national d'un État debout, d'un État battu plus beau qu'avant? Merci beaucoup pour l'invitation, pour la parole. Chrono. Na pesi batonios, on a la tombeau, te batonios, baso l'andabiso, awa peti na diaspora. Mais dans cette thématique, on a remarqué que mon cours au tché, je dirais des mots, phrases en présent, mais dans l'hymne national et dans le futur. C'est là aussi se trouve le problème. Donc, c'est-à-dire, on dirait qu'on a habité ceux qui ont salé qui en gros, ils avaient pesé vraiment le contenu de leurs paroles. C'est-à-dire, nous repoussons toujours à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Ce qu'on appelle en français la procrastination. La procrastination. Donc moi je crois que la émission boye il faut tout matisa mais là pour que va changer tant aux a conjugué na hymne national. Nous bâtirons, nous peuplerons. Mais nous sommes en train de vivre ça frise l'irresponsabilité. Ça frise l'irresponsabilité, c'est-à-dire on dirait bateau ba sala ki baloba ki te za bisoté. Bateau ba roya. Ça pose aussi un problème. Donc je crois que même les mots dans le hymne national, parce que ça nous lie tous, il faut que va changer. Tant composer dans le hymne national. Je suis d'accord avec le cordon. Mais moi, je voudrais dire ceci. État-nation, c'est un type un peu particulier d'État. Parce que aujourd'hui, État la nation sanguissiango, dans lesquels les individus sont censés appartenir dans leur majorité à une nation. Donc, c'est-à-dire, il faut battu, bas un plaisir ouana. Ici, ça sous-entend partage y a bas valeur commune sur lequel mutu nyonso adhérer na katinango. Oza muluba. Osamu Yombe, Osamu Swahili, ces valeurs-là communes, il y a un des socle na bino, c'est ça État nation. Oyo, boza pré même yakobundelango au prix de votre vie, si c'est là, ben intérêt on les a touchés. Mais ce qu'au biso, non to komina niveau anaté, parce que nous sommes divisés, parce que dès le départ, après le colon, les bases ont été très mal jetées, parce que ce qu'au talina histoire y a monde. Aucun États-Unis. C'est des individus qui ont pensé leur nation. George Washington, Lincoln. Si vous allez en Russie, c'est Lénine, Staline. Ils ont pensé le modèle de l'URSS. Sur aucun France, vous avez De Gaulle. Sur aucun Israël, vous avez Ben Gurion, c'est-à-dire le sionisme. Sur aucun Inde, vous avez Mahatma Gandhi. Donc, c'est-à-dire que c'était des hommes comme Yonanga. On voit ça du Chine. Chine avec Mao. Mao. Non, Mao. Il faut commencer par Confucius. Confucius. Après, Oye Mao. C'est-à-dire, au moment que les bases au Bango Bachaki, Bakitani na Bango, Bakendaki à côté. C'est qu'au biso problème, déjà le mal a été dès le départ. À cause de quoi? Du clivage. Là, je suis d'accord parce que, cordon, il ne faut pas oublier que même Lumumba, malgré qu'il avait un parti à caractère national, mais ça posait toujours un problème de clivage. Ce qui Lumumba lobi, bato kasavu buba boyi. Donc cette mauvaise manière
tokitani na onti lelo quel que soit Lumumba lobi makambo malamu bato abako ba osepelate parce que bango badali parti tribal. Non, même Bato Lumumba, allez vérifier. C'est-à-dire, le seul moment où les Congolais se sont mis d'accord, c'est la table ronde. Quand ils ont exigé La présence de Lumumba. Mais en dehors de ça, plus rien. Donc, c'est-à-dire, le départ a été mal. Il faut aussi souligner l'influence du colon. Le colon ne nous a pas laissé aussi facile. Malingara. Le colon peut être... Banoko. Batigela Ibiso peut faciliter ou anater. Il y a qu'aucun des vers cet état-nation, vers une nation. C'est-à-dire, au moins, que même dans l'élite de l'époque, influence, il y a Kolo, il y a qui m'a cassé. C'est-à-dire, Moutouna Moutou, il y a qui n'a moins influence, et puis moi, désorientation pour que les Congolais de l'époque soient trop choqués. C'est-à-dire, qui est toujours dans le sens de s'entretuer, de ne pas vivre ensemble. Mais ce qu'Otali, la nation, ce qu'Otali, na état, il y a toujours un mot qui revient, territoire. Territoire. Par rapport à la nation, ils ont là-bas élément distinctif. Parce que c'est un ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire. Ça, c'est la nation. Ils ont partagé origine moko, tobandi, histoire moko, culture moko. Tradition moko, sikoyo, yangonde mute sali que ba valeur rwana, ou e outi na babilo kwa na distinctif, ba tchango ensemble, ba sala ou ba bengi état nation. Siko, okomona ke biso, ba congolais. Jusque là, on n'a jamais puisé dans nos cultures, dans notre histoire, d'ailleurs, histoire. Mais pour fonder aussi, pour bâtir un état nation, parce que Toulouse, c'est un état un peu particulier. Mais, l'élément, il y a deux éléments capitaux, c'est l'histoire et la culture. On nous obit élément essentiel hein, dans tout ça, c'est l'éducation. On nous a pas appris à aimer ces pays. Comment vous voulez construire un état-nation? Conception donc pour l'état. C'est-à-dire nous, on nous a bombardé. Si vous voulez détruire un peuple, détruire son histoire et détruire sa culture. S'il vous plaît, Bande Gounangaï. Mais dans le contenu de notre enseignement, le programme d'enseignement, qu'est-ce qui est écrit aux réseaux concernés? On nous parle de Mérovingiens, on nous parle de Carolingiens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mahmoud Kati, Irbin Aoukal. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça nous a servi à quoi? Sans oublier, toutes les nations que vous voyez sont grandes aujourd'hui, ils ont puisé dans leur histoire. Ils ont puisé dans leur culture. C'est comme ça qu'ils sont partis, ils sont arrivés. Remarquez au XVIIe siècle. Quand ceux qui étaient esclaves aux États-Unis et des Anglais ont dit non, c'était non. Hein? Et ils ont créé une guerre à cause du thé. Vous voyez un peu, ça c'était le début d'une création d'une nation. Mais Bissot jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le Congolais dans leur ensemble connaissent leur histoire? Nous rejetons notre culture. Moi j'étais choqué de voir un parent qui tape son enfant parce qu'il parle lingala. Parce qu'on parle aussi par rapport à la nation, langue. Comment vous voulez créer un état, nation, mais langue, oyo, il y a binomoko bozo rejeté en botique en Libanda, vous préférez que vos enfants parlent français, anglais. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Pour parvenir à créer un état, nation, la langue est un élément essentiel. Imaginez-vous, moi, je suis Muyombe et que je maîtrise les quatre langues. Si j'arrive à Goma, si j'arrive au Kasaï, je ne me sentirai pas lésé. Je me sentirai chez moi parce que j'entendrai ces langues-là. Parce que langue et l'élément, il rapprochera davantage. Comment, on te sent, l'autre est venu. Comment vous pouvez créer, vous voulez créer un état-nation? Les éléments constitutifs qui font de la valeur, ça nous rapproche. Et puis, ça, c'est tout l'ingana. Nous sommes soudés. C'est là qu'on... Mais l'élo Kende, je rejoins le cordon, Kende dans ma cabinet, on vous parle Kiyombe, si c'est un ministre Muyombe. Parce que quand tu arrives là-bas, au moins là-bas, dossier au tambour, c'est compliqué. Maintenant, quand toi tu viens là-bas, tu te sens déjà lésé au Komimopaya. Donc, c'est-à-dire, il y a distance. Or, la langue, la culture, l'histoire nous fait quoi? Nous rapproche. Maintenant, par rapport à l'État. État, c'est un groupe humain fixé sur un territoire déterminé, soumis à une autorité. Maintenant, là, se pose maintenant le problème de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour le Congo. Pour le Congo.
Autorité de l'État. Parce que il y a dit n'importe quoi. Parce qu'ici, il n'y a pas de couleur politique. Si. Donc, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir public ne se fait pas sentir. Ici, j'interpelle les décideurs. C'est-à-dire, quand on gère un pays, on ne gère pas avec état d'âme. Parmi les éléments où un dirigeant doit mettre de côté, c'est les états d'âme et les émotions. C'est ce qui nous a amené depuis 1960 aux Kassavou Balobi. Lumumba Balobi. Non. C'est la tête et non les sentiments. Tout se gère par la rationalité. Mais ce qui te côté ici, bah, sentiment, bah, émotion, il y a un moment à tirer l'eau. Nous ne parvenons pas à construire un État-nation. Parce que même le pouvoir public ne s'exerce pas. Il y a un dans 5 arrestations, s'il vous plaît. Il y a Bourgmès, il y a Selemba, il y a Bumbu, il y a Bandalungwa. Ceux qui ont juste station, Anna, aucun des timolages. Tu peux t'imaginer. Patrick, tout ça, la ta expérience, le nom de notre gars. Tu vas croire que si tu es dans une autre. Je ne sais pas quoi. Ça, c'est le manque. Il y a pouvoir public. Merci. Voilà. Merci mon amboka Joseph Mbenza na ton dieu botoni ndoko moko ro bagi Mbenza da parmi batu bato sa ngonga soko bika merci tac akat c'est une qualité de ta part na deba. Voilà, merci bande kona ton dieu bino botoni. Voilà, et na basi oyoka ndenge zoko toko. Donc on note, en même temps on évolue, chacun apporte ce qu'il peut. Ndek boye ba construire la école linga ka ba critiquer école. Soit ils vont critiquer quoi, on ne m'a jamais gêné à l'ibosso. Critique y a ma bête, ou il y a ma critique constructive. Ce ne sont pas des critiques. Mon beau Patrick, ça aime pas. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous bâtirons plus beau qu'avant. Est-ce que Congo y a 60, Congo y a 80, Congo y a l'élo? Est-ce que nous allons de mal en pis? Est-ce que Togo Kende vers une construction de l'élo pratiquement corridor le but? Nous allons vers la déconstruction de l'État au lieu de la construction. Est-ce que tu es fier de l'être? Est-ce que tu es fier de comment tu as l'abus de la Congoman, tu as un état debout, ou tu as un état debout, ou tu as un état de l'hymne national, ou qu'en réalité, ne tient pas debout, ou tu n'as même pas ce que tu as là, tu as un état de l'hymne, tu as un. Quel terme approprié au regard de ces éléments constitutifs d'un état? Est-ce que la RDC est un état? Merci, très cher frère Nono. Merci. Merci à Cordon, Christian Moleka, Joseph Mbenza et ainsi que Moukou Bonangaï Focas Kelemene. Voilà, le nom est sacré. Le nom est sacré. Je ne voudrais pas qu'Afoum Nanga n'a déformé comme Bonaï. Bon, je suis très heureux de participer à cette belle émission avec thématique Mokoïza et à haute facture. Pour essayer vraiment que tout ce nous va nous rejoindre même Mbenza. Nangana obati Mbenza, les lozan Mbenza, ozongi Mbenza lelo. S'il vous plaît. Non, ils aient de ces noms, parce que ngamu on a des tenteurs, il y a jugement supplétif. Je vous autorise. Allez. On ne gère pas un pays avec état d'âme, oui, mais il faut gérer le pays avec l'âme d'état. OK? Aujourd'hui, je ferai une étude comparative mais sémantique par rapport il y a makambonyoso tozolo ba ya mboka, il y a état. Tout songana contexte. Pourquoi hymne national n'a plus choisi aucun des cas qu'en la future? Parce qu'au début, c'est la mité de quoi hymne national. Père Boka, tant que vous avez dit que vous avez commandé un bon, vous avez dit que 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 vous avez unis par avez dit que vous avez dit que vous que on projetait l'indépendance. Toujours qu'il y a une indépendance, alors, biso photo tia et loko moro bon biso bafrika to linga ko yemba mingi. Toza na banze mona biso moro so tozo yemba ngo et to pesa biso makasi ke mon dele il faut pesa biso indépendance. To komi na ta o photo zo indépendance. Mais ramenons maintenant les choses dans son contexte. Na sepel na ndeko menza pona définition pesa ya état. C'est la définition que j'avais. J'ai trouvé que c'était une meilleure définition. J'ai dit que je ferais une étude assez comparative. État, groupement humain de groupement humain fixé sur un territoire déterminé. Soumis à une même autorité. Tout ce que vous avez. Dans ce pays, nous avons une définition de Bougou, mais c'est qu'on sort autorité de l'État et de la société. Mais surtout, ce qui est la définition, le Congo est sur l'État. Pour nous, nous avons une Kiwanja Balobani. Est-ce que ceux qui sont à Kiwanja, ceux qui sont à Bounagana, ils sont soumis à une même autorité que nous qui sommes à Kinshasa? Définition comme biaisée. Là, il y a un bémol. C'est-à-dire que tout ça, ils sont sur l'État. Il faut que nous continuions à faire des Bounda. Kiwanja n'a pas de Zonga. Bounagana n'a pas besoin de la biso protocole. Comme ça, on a totalisé 2 ans. Baboto n'a pas besoin de partir à ma belle. Personne n'en parle. Protocole maïta. On a besoin de trouver ta définition de la souveraineté. C'est quoi la souveraineté? C'est quoi, avant tout, c'est qui un souverain primaire? Peuple.
Ici, il faut tout ça qu'on nuance entre mototo bengi peuple, nabato to bengi population. Surtout la population congolaise. Nous sommes dans la carte. Biso batu dans la carte. De quoi tiens pas ni amana biso. De quoi tiens. De quoi tiens pas na biso. Tout ce qui se trouve. De quoi tiens batu nous sommes votaka. Votaka t. Mais ce que tu connais tout bêtement, c'est un peuple. Le souverain primaire, peuple a votaka. On a des secours commis. Moto ce que vous en a majorité t. Aux ala peuple t. Moto a zaboué à rosa t. Il faut tout ça comme moi différence ouana. Mais tango bango bazu les canisiers rosa la hymne nationale. La souveraineté c'est quoi? C'est un caractère d'État qui n'est soumis à aucun autre État. Est-ce qu'on peut dire que la RDC est un État souverain? C'est-à-dire qu'ils ont un caractère et un mot à Oyo, ils ont soumis à un mot à Moussou Zouté. C'est-à-dire qu'ils ont une décision. Ils ont une décision que les Américains, les Zoukouna en États-Unis, ils ont un peu de temps à Congolais. Et il y a un moment où on a été toujours élu. Dans le cas, pour nous, les politiciens, ceux qui ont commis Pembe, il y a une élection. Ils ont un pouvoir en Libanda. Au monde, on va aux États-Unis, on va en France, on va en Angleterre pour avoir le pouvoir. Tant qu'on va avoir le pouvoir, est-ce qu'ils vont exercer ce pouvoir-là dans le bénéfice du souverain primaire? Pour nous, c'est un souverain primaire qui vote à la banque, mais en réalité, le pouvoir n'a pas été sauté. Dès qu'on en gagne. Ça, ça a été fait à dessein pour tout quoi? Tout soit indépendance. Mais nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que. Entre 1897 et 1904, na Boma, tram et Zalaki. Na Kinshasa, na 1954, tram, train urbain. Tozo train urbain na Congo avant Belgique. Est-ce que, vu Makambo, tozo nango lolo na mboka, on peut dire que Congo, tozo bâtir un Congo plus beau qu'avant, ou tozo ngi sima makasi. Tozo ngi sima toto ke liboso. Parce que si on doit prendre les choses dans sa globalité, dans ce hymne, on a tout bandit que tant qu'on peut n'importe moko debout congolais. Bon, dans ce hymne, Congo pour biso tolinga la Bible. La Bible est bisi biso boye. La justice élève une nation. Si koyo, mon konzambo kaya atali justice au photo mola moka a obi justice sur les obéla. Donc aux alakana debout congolais. To photo changer hymne, tout le bagno congolais besoin d'un bol amusana pour la tajaya bola. Toko mina bela congolais. Je suis vraiment d'avis si il faut tout ça dans ce qui bama kamunini tout le bagno hymne nanoyo ils ont mérité sous Congoté hymne national la chose mérité sous bisoté. Nous méritons autre chose que l'hymne que nous avons aujourd'hui. Il y a trois pays au monde hymne nabango ezaka nango na malobaté hymne nabango ezaka ka ezo mimegaka musique kaka malobezate Espagne Kosovo namboka mo wabengaka Saint Marin hymne nabango ezala na malobaté. Mais biso bato ton dima ko zana hymne za na comme la Zambie je crois et l'Afrique du Sud bango hymne bango na nzembo nzambi. Bati na bango nzembo nzambi. Mais biso siko tant to zune nzembo ya père Boka. Il faut siko to ke non malem malembe. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Est-ce qu'aujourd'hui Kinshasa est plus beau que le Kinshasa d'antan? Kinshasa ba benga ngoni. Congo bringa ngombo ka moya propriété bo na bosani terre mais on a de to na Lingala. Kin propre ou kin label. Kin label. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de kin label ici au Congo? Dans le temps, Kananga était conçu comme yangonde ngakezala capitale ya Kinshasa pour azana centre. Belge azwa taya otonga Kananga. Allez voir Kananga aujourd'hui avec plus de 1000 têtes d'érosion. Est-ce que Kinshasa na biso otozui économie ya mboka to simbisi pas chinois, to simbisi pas indien. Et ça Kinshasa o hymne national la yemba ki pour ça congolais que telema soit debout to bunda po na mboka. Est-ce que l'hymne national que nous avons aujourd'hui mérite le grand Congo? Non, on les a hymne ya bato bazo linga ba kende. Biso toza déjà. Est-ce que nous sommes une nation? Est-ce que nous sommes un état en part entière? Si déjà nous avons des territoires qui ne nous sont plus et ça sous ya bisoté. Donc le baké Congo le tuzaka te. Non, ils ont sous contrôle la bisoté. Ils ont bisoté, c'est-à-dire tout ce que mon je ferai pas l'apologie de ceux qui font la rébellion, je n'aimerais jamais faire cette apologie, mais bato bazotin da ba vidéo au mona moto azana rébellion, azo son babilo ko population zo sepela nae. C'est-à-dire que Maponi et le Komoro boye, pour sa population, est-ce que biso tuzaka ka mboka na zaka ya biso? Sommes-nous une nation à part entière? To comment ko le baké non? Oyi makambisa mina na Niger, ba américain ba vandi. Ba bengi président Niger. Bah, et si une délégation va arriver demain, bazo ya pona koloba boye 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 boye. C'est-à-dire que le président de Niger, attends, ça qui n'a pas moussousou. Il faut akata ayamba américain. Tout à fait, c'est ça. Ayambi bango, mais vous savez ce que le Niger a fait? Il a chassé les Américains. Abi, nous sommes un pays souverain. Vous ne pouvez pas venir nous imposer. Est-ce que biso to zapena trip wana?
Est-ce qu'on est RDC? Le Congo a ses tripes de dire aux Américains, vous ne pouvez pas nous imposer vos visions ou vos idées. Nous, nous sommes un pays souverain à part entière, comme les États-Unis, dans votre souveraineté, nous sommes aussi souverains. Malheureusement, tu mets-tu sur moi en habit, avant de faire l'émission. De Gonangaï, Focas à la Gisena livre à CIA, on va projeter 2040. C'est-à-dire qu'un État sérieux fait des projections. Mais est-ce que nous avons fait des projections même pour mois de juillet à Néo? Notre gouvernement, notre État, a la projection ne serait-ce que pour 2023 et 2025. Pour votre information, réserve d'échange Nabisso et Tenaga pour quelques semaines. Quelques semaines, pour, non, l'État pour deux jours. En projection, c'est réserve Nabisso et Tenaga deux jours, on peut aller Koukouma. Mais Mokawa est le premier producteur, il y a or dans le monde. La Banque Centrale n'a même pas la réserve, il y a or, il y a un jour. Les États-Unis, ils ont la réserve, il y a or, il y a plus de 100 ans. C'est ça une nation. C'est ça les gens qui sont sérieux. Ils voient les choses dans la projection. Projection, tel quoi, il y a hymne national, Nabisso, autocommissaire, hymne national. Il fallait que Batomaye les bavandes à bon, Nzembo et Salamaki pour l'indépendance. Toujours, c'est quoi l'indépendance? Est-ce que tu as la Nzembo Moussou soutenu pour un hymne national? Préserver les acquis. Si seulement il y en a. Préserver les acquis. Pas les acquis seulement au Belgique et Nabisso. Parce que Makamounia, c'est tout bête à Nanzela, Aboué, et ça, Makambo Belgique. Mais si vous avez vu ce depuis Kassavoubou, Mobutu, Mouzé, Joseph Kabila, n'a présenté tous les lots. Quels sont les acquis de la RDC? Tous les nignes ont été préservés. C'est ça, moi, je suis en train d'opter pour que, à la limite, tout change. Merci. Qu'on revoie. Merci, mon amboka Patrick Sahel Mpoy. Et là, il y a l'émission sans couleur. Parce que beaucoup de gens ont été et là, il y a tellement, et là, là. Moi, tout le monde peut sa réponse au recharger crédit d'ailleurs au moment porté dans ce cas d'émission pour opérer sa binôme à l'oba pour que tu interagir n'a bino 5 appels aux yeux en haut et puis on va envisager la conclusion n'a pas éminent analyste dans la bango la messe à libre de ban et que vous avez qu'on s'est parce que vous avez réellement servi tout au qu'un discours au moment qu'à focus que les mènes à ce cas lecture de fait n'ayo au regard et à autour de bel abat élément constitutif y a état et puis hymne national n'a bicho ou à la limite il faut remettre en question parce que bah mon tour retenir la carte et donc projeter bicho dans un vide total béant qui n'amène en rien et jusque là nous n'avons rien dans un pays qui ne tient que donc en cas de catastrophe na RDC en économie Nabisso les autorités nous disent que nous pouvons tenir que pendant 4 semaines et pour le reste on ne sait pas sauf vers l'inconnu. Ça c'est quel type d'état, debout ou assis? Merci beaucoup Mbotina va co-débatteur Balandi nakati Namboka Congo na télévision et puis par réseaux sociaux omoni définition wana oyo pesi ya il y a l'État, c'est-à-dire définition on a tout bien rango une définition descriptive, c'est-à-dire que kotanga abiloko o izali ko composer un tout ne yango babengi définition descriptive. Ça c'est beaucoup plus pour les juristes bamonde batu ba utiliser yango. Nous les politologues quand nous voulons définir l'État hein tous les kanzela on a te na oya les kanzela na biso bien mais la description au basala awa. Je vous annonce que il y a une faiblesse, il y a une paresse, il n'y a pas de l'évolution dans cette définition. C'est pourquoi je suis en train d'appeler les scientifiques du monde pour que bah revoir définition descriptive oyo. Le monde évolue. Il faut bah définition peut évoluer parce que bah contenu ezo bakisama. Par exemple, quand vous parlez état égal territoire, population, n'a pouvoir, reconnaissance internationale. Mais je vous ai dit ici que les éléments nouveaux arrivent. Par exemple, espace aérien, ça fait partie, il y a patrimoine, il y a l'État, il y a existence, il y a l'État. C'est un élément, espace aérien. Mais ce que tu as dit dans la description, ils allaient mentionner. Ils ont un colomoroté, ils ont un territoire sans qu'ils aient un espace aérien. Or, ceux qui ont défini cet état d'une manière descriptive, ils n'ont pas regardé le ciel. Ils n'ont regardé que la terre pour parler du territoire. Mais il y a un espace aérien qui appartient à contrôler. Voilà, qui appartient à l'État souverainement. Deuxième élément, définition. Donc, pour que les savants du monde reviennent sur cette décision, cette définition. Élément mon sous aux angles il y a ce que l'on appelle les eaux continentales. Chaque état oyo azali na ouverture na mer na océan
il y a un débat qui aujourd'hui confirme que bah espace oyo ya ba mai un état à l'heure actuelle depuis 1982, il y a eu un débat et on a octroyé à chaque état au moins 22 kilomètres. La convention de Montégobé. Voilà, convention de Montégobé. 22 kilomètres. Ça, partir... les étudiants peuvent noter la ouais, convention ça, de Montégobé. Voilà, ils doivent écrire ça parce que nous faisons ces émissions ici pour eux. La convention, on a, il est ressorti parce qu'avant c'était comment? Il faut que, à partir de Mboka Nabino place Bozaboke au bord du mer, Bozu Mondou qui Nabino est le plus perfectionné. Bobeti yango place ekosuke la place lisasi ekokwela nde place limite ya mboka na bino na niveau ya mai ezali ozo comprendre alors tango ba science est développé makasi nde à partir ya conférence wana on a dit non il y a des gens qui peuvent faire des missiles un peu beaucoup plus sophistiqués donc il est risqué katsa na mai donc a risqué abotola espace maritime d'où il faut tout ça la convention moko to limité. Aujourd'hui, cet élément-là fait partie du patrimoine. Ils allaient contenu à un État. Mais dans cette définition, ils allaient. C'est pourquoi je suis en train d'appeler. Il faudrait qu'on ajoute aussi l'espace continental où chaque État où ils allaient, dans l'ouverture, dans la mer, dans l'océan, ils allaient détention. Il y a et Kozala, au moins, complet. Mais ici, à la différence avec cette approche juridique, il y a aussi l'État qui doit être compris. Parce que différence. On vous parle d'un pays. On parle d'une nation. On parle d'un État. On vous parle aussi d'un État comme acteur. Donc c'est-à-dire que c'est chaque discipline. Par exemple, sur les relations internationales, on ne parle pas de l'État. On parle d'un acteur. Acteur des relations internationales. Ceux qui ont la géographie, on ne parlait pas de la nation, on ne parlait pas de l'État. La géographie parle des pays pour la localisation, contenu, climat, ainsi de suite, géologie et tout ça. Donc, ça dit que dans la politologie, chaque éloko est un combo nango et puis un contenu nango. Mais pour la bisoba politologue, ceux qui ont qui énergie oyo ndekonangai Christian Abimisi, quand il voulait définir l'État comme politologue, il n'a pas cité ce que vous vous appelez ici dans la description, dans la terre et population. Non, il vous dit ceci. Il dit, c'est une projection de la puissance dans un espace. Tu vois, c'est une projection de la puissance dans un espace. Ça, c'est une approche politologique de l'État. Notre biso définit ça en dengue morote na bajeriste. Ngai par exemple, si on a l'idée de définir l'État, na oloba ki c'est l'ensemble des institutions détenteurs de la puissance publique ayant le monopole de la violence légitime pour réguler la société. Dans un espace bien défini. Voilà. Tu vois, nous voulons vous aider les gens, étudiants, comprendre que quand on parle d'un État, ce n'est pas forcément synonyme il y a pays, parce que pays, c'est beaucoup plus une approche géographique. Et quand on parle de la République, c'est quoi? Quand on parle de tout ça, ce sont des concepts qu'il faut utiliser dans le secteur, dans le domaine, dans la discipline. Mais si on a un tomboli de Kambouya, État-nation. Quand on a un État, État est un concept politologique. Mais la nation... La nation est une approche sociologique. Pourquoi? Parce que la nation, elle est subjective. Mais l'État, c'est du concret, c'est de l'objectivité. C'est-à-dire, quand on vous présente les institutions, vous voyez l'État. On vous présente Fachi, vous voyez l'État. Ce n'est pas subjectif, c'est objectif, palpable et réel. Mais quand on parle de la nation, on vous dit la nation. Par contre, c'est quoi? C'est l'existence d'un sentiment des personnes qui identifient. Yo kasi ko débat place yé kinde lengi. Pour vous comprendre, nation et zalito nanote. C'est ça, là, ici nous allons parler. On dit d'abord, condition pour que vous à la nation, vous devez identifier d'abord votre histoire commune. Biso batu ya Kisangani, batu ya
Kasai, Batuya, Bakongo, Biso Batuya, Bandundu, tous, nous devons avoir des repères de notre histoire commune. En dehors de ça, nous devons identifier nos ancêtres communs. Or, que ce retourne Mbenza, Mbenza, c'est un ancêtre né commun, s'il est dans la philosophie de Mukongo, né Congo. Si vous demandez à Mouluba, il va te parler des royaumes Luba, Kuba, ainsi de suite. Quand vous demandez les Congo et des Bandundu, ils vont vous raconter des histoires. Ils sont venus de Kola, ils sont venus de l'Angola, ainsi de suite. Donc, tout ça, pour que vous ayez des repères de l'histoire commune, des ancêtres communs, ça pose déjà un problème. C'est pourquoi on vous dit que la nation, il faut la construire. Parce qu'il faut beaucoup de questions qu'il faut se poser et répondre à ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, quand ça s'appelait Royaume Congo, quand ça s'appelait Royaume Cuba, est-ce qu'il y avait-il un ancêtre commun? Non. Chacun avait une histoire à part, un ancêtre à part. Mais maintenant que nous sommes la RDC, à quel niveau maintenant nous identifions nos ancêtres que bah ancêtres nabiso commun ezali bato tel. Il faut identifier ça. Si ko soki tozali kakana dimension ya nation, c'est qu'il faut beaucoup plus remarquer pour parler d'une nation, c'est le désir de demeurer ensemble, de vouloir vivre ensemble. C'est pourquoi on vous dit que c'est une construction. La nation n'est pas une génération spontanée. Ça ne tombe pas du ciel, on ne la décrète pas. On la construit petit à petit avec une volonté de la communauté. Mais est-ce que dans la pratique, dans la gestion, dans l'intégration, merci, tout ce que nous faisons, est-ce que nous construisons Yango, toko se poser ba question pour nato yeba où sommes-nous? Na se peli susu ne loro msusu obolobi hymne national. Na silisawana hymne national ezali nini? De konono hymne national ezali eloko msusu te soki obabengaka âme d'une nation, l'âme. C'est-à-dire que c'est un cri de guerre en temps de menace. Hymne national ezali la plus grande idée de la nation. Merci, comme Foucas. Projet des sociétés. Merci Foucas. Merci. Natondi Obotondi. Voilà. Très résumé. Maï hymne national. Am. Mondouki. Mais au Kenya futur. Pour bounder la langue aussi. Quand on doit avoir un peu de on va faire un peu de hymne national. Directeur de programme Nata Kianza Pesanga Précision. Une telle émission, ils ont à trois fois les siècles. Parfois, une fois les siècles. Combien de minutes ça met 13 pour l'engagement pour nos bacs? Je ne sais pas. Je m'en remets. J'attends les précisions tout à l'heure. Cordon, 8 minutes. Na yo. Après, deuxième tour, il y a table. Nous avons la téléphone pour nous avoir 5 appels. Après quoi, nous avons envisagé conclusion. Avec, si on a un peu de temps, on pourra avoir 2 minutes pour la conclusion. 8 minutes, Cordon. Nous avons vraiment abandonné les cambiens. Parce que beaucoup de gens. Oui, nous avons projeté pour que nous France toujours abordé deuxième possibilité. Est-ce que le lot, au regard, il y a bien les mains, mais ça, tout ce qu'on s'est projeté dans 20 ans, à l'horizon, combien autres qu'on envisageait, ne fût-ce que l'émergence. Est-ce que nous pouvons parler émergence ou nous pouvons parler d'abord construction de l'État? Est-ce que ma politique va être sérieux avec les concepts ou nous devons aller où nous prenons un mauvais virage? Bon, on a là-bas dans les Cambodgiens, très rapidement, avant d'aborder la question. Je ne partage pas l'idée que Udom Seul a retourné vers le futur. Le père Boka était un jésuite. Jésuites, c'est vraiment les laboratoires de l'église catholique. Ce ne sont pas les prêtres, ce sont les prêtres les plus instruits au sein de l'église. D'ailleurs, comme on a dit, Tikala a venu Père Boka, a venu ses affaires étrangères. Sur Ozuna Ibn Nabiso, au moins, le temps qu'il revient le plus, c'est l'impératif. Ce n'est pas le futur. Le futur, il y a trois verbes, il y a trois temps. Nous peuplerons ton sol, nous bâtirons ta grandeur et nous bâtirons. Trois. Mais impératif, il y a cinq fois. D'ailleurs, Ibn Nabiso est impératif. Debout, congolais, impératif. Soyez debout. Saluez. Entonner, dressons nos fronts. Impératif. Et c'est impératif. Il n'a plus de mingue impératif. Il y a une imposition, un ordre, une recommandation impératif qui s'impose. Et ça crie des guerres. Et Banina, debout. Téléma. Mavandi. Téléma.
Nima. Ah là, lui. Ah, Nima, Congolais. C'est pas le debout, c'est debout, Congolais. Et bien, il a tellement, monsieur. Oh là là, tellement. C'est un accord, non, c'est là. Zongelanga, s'il vous plaît. Balobi, Nima, t'es. Tellement. Clac. Oh là là, tellement. Il me demande à Rwana. Tout ce qu'on a amené, il me futur. Non, il me soit un impératif. Tellement, dresse ton front. Il y a des bonnes choses à retirer. Dresse ton front. Dressons vos fronts. Et qui est longtemps courbé. Qui est longtemps courbé. Il n'est pas un impératif. Mais impératif, on est là, ma condition. Ma condition, l'inini. Pour que vous bâtir, et bien, là, c'est par le labeur. C'est par le travail que vous retournez à Congo. Futur, il y a les conséquences, il y a présent. Mais aujourd'hui, il y a seulement 4% de la misère. Ah, c'est-à-dire que où est le travail? Le Congo que nous voulons bâtir, le Congo que nous voulons bâtir, le Congo grand, le Congo peuplé, ce Congo-là ne viendra que par le travail. C'est ce que l'hymne dit. Les hymnes ne nous apportent pas au futur. C'est par le labeur, et l'on lit c'est par le labeur, parce que c'est là qui le rôle la poème. C'est par le labeur, c'est par le travail d'aujourd'hui que nous allons réussir à construire le Congo grand demain. Ça ne t'a pas dit aller demain, non, ça nous a dit travailler aujourd'hui si nous voulons la grandeur demain. Et c'est là où l'hymne est très profond. Tout ça là vraiment je me souviens de sur hymne. Et mission mon hymne romain que hymne est très profond. Tout ça description. C'est par le travail aujourd'hui que le Congo deviendra grand. Si on travaille pas, le Congo sera pas grand. Et c'est là où le problème se pose. Est-ce que nous travaillons? Est-ce que le Congolais travaille? Est-ce que le pays travaille? Est-ce que nous travaillons ou nous allons au travail? Parce qu'il y a une différence entre aller au travail et travailler. On peut faire 8 heures au travail sans et travailler. Pas faire 8 heures de travail. Ah ouais, c'est ça. Au Congo, nous passons du temps au travail qu'à travailler. Qu'à travailler. Le peuple congolais ne travaille pas et l'État ne met pas les gens au travail. La main de vous tenir là bas 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 là. Nous ne travaillons pas. Donc si nous voulons que Totonga Congo allo, il faut travailler, il faut mettre les gens au travail. Et permettre à qui est une question à soulever les Kambouya. Comment on peut projeter? L'État, c'est d'abord une idée. C'est une abstraction. Et puis on coule ça en forme d'organisation. Ça veut dire, l'État colonial était une pensée stratégique. Comment l'Europe, qui était en recherche de minéraux, parce que les Européens ont découvert Bissot, parce que la voie sur la voie des Andes. Bah ok, la voix des Andes comme l'Empire ottoman. D'abord bah dans l'histoire Empire ottoman à Zouaki Istanbul à quatre routes par les Andes, la voie la route de la soie, moyen bas que des sous Inde par la route de la soie exacte, parce que l'Empire ottoman a caboli Europe nazi et donc il fallait contourner ottoman et donc bah ça bateau Marco Polo pour contourner et aller vers l'Inde. Ne pas beaucoup en Afrique. Je cherche où on allait maintenant vers les nouvelles Indes et aux États-Unis et même en Afrique parce que bah vague est possible au Portugal va découvrir mais tout le Naroluka parce qu'il cherchait quoi? Le sucre. Du café. Le cola cause un sucre ben européen va découvrir ça les betteraves. Bah au café, bah au café épices et en Asie. Et donc beaucoup de terres monsieur aussi riche qu'Asie. Oh tu causes épices tu causes avec le quoi sans forcément aller loin. C'est comme ça qu'ils bâtissent les ils ont mis en place un appareil avec une économie extravertie, avec des routes extraverties. Ça veut dire qu'ils ont plus facile Congolais à qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des. C'est plus facile à qu'il y a des potos, qu'il y a des gens. C'est plus facile à qu'il y a des pays voisins, à qu'il y a des Kenya, à qu'il y a des Ouganda, qu'il y a Kinshasa. Conséquence, le comme à Bukavu, il faut ça la transit na Bujumbura. Conséquence, celui qui est à l'est a plus d'attaches avec les pays voisins qu'avec celui qui est quinois, qui est très loin de lui, qu'il ne connaît pas parce qu'il y a bien été, parce que connexion est athée. Mais si nous voulons construire, mais il faut déjà commencer par avoir une vision. C'est quoi la vision de nos dirigeants pour le Congo à l'horizon 2100? Est-ce que nous pensons comme ça? Nos dirigeants ne pensent pas comme ça. En tout cas, notre élite ne pense pas comme ça. Sur quel projet sommes-nous aujourd'hui? Non, le Congolais, sur quoi on est? Le Congolais, nous pensons aujourd'hui. Surtout à l'élo. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Il y a très peu de Congolais qui peuvent vous dire, et je parle d'élite, voici le Congo que nous voulons à l'horizon 2100. Nous allons fêter 100 ans d'indépendance dans 2060.
Combien de Congolais ont commencé aujourd'hui? C'est dans 40 ans. Combien de Congolais ont commencé aujourd'hui à se projeter centenaire Nabiso et en 2060? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 1960 2060? Comment nous projetons pour les projets centenaires? Quel Congo nous voulons? D'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue population. Mais tant qu'on n'a pas cette pensée stratégique, l'État n'est pas stratège. On ne fera rien. Il faut refonder l'État stratège, il faut repenser la pensée stratégique et ça passe par les penseurs. Bapé Sabiso, une pensée stratégique à l'État, quel État nous voulons. Et État Bonandé, Bapé Sabiso, tout s'est projeté vers l'avenir. Mais tant que tu penses à Kangote, c'est la même chose en actualité. Hein? L'État, c'est l'actualité. Tu l'as dit, bon, ils ont. Bakate Moutou Machette. Ouais. Après, sur le phénomène, il est qui? Ah, madame, pas la moto, pas contre la ville, pas contre l'ambassade. Désormais, pas la moto, pas contre la ville. C'est comme ça que nous fonctionnons. Aucune projection, aucune intelligibilité dans les choses avec profondeur pour tout construire ma pensée stratégique. Exactement. Et nos partis politiques, malheureusement, ils ont appris à la gouvernance. Parce que bah monde c'est les qui base là bah pareil à gouvernance et c'est quand mais quoi le balikam il y a le monde vit par les seuls et la seule non pas bien en prospective bah trans combien de Congolais peuvent faire de la prospective et se projeter et donc il faut déjà stolito kené musika tout réinventer la pensée stratégique tout réinventer l'État tout donc ça État au service d'une idée commune à savoir le bien-être collectif et non l'État que nous avons aujourd'hui qui est l'État colonial autorité nango qui est l'État oppression au service de la minorité et au service économie monde. Ça veut dire toutes nos minéraux ressources et que nango ma pays européen tout ça et nous tu aller à échelle dans l'économie monde et au hasard à hasard des capitaux hasard des cas de type moderne quoi pour garantir ben intérêt tant monsieur ya mondele et tant qu'on déranger monde était avant bien les Congolais bon ouais ça c'est notre problème à nous tout changer manière de concevoir l'État. Tu sens il y a un mot organisation en haut. Tu ressens cette idée commune. Il y a ensemble, mais tu portes vers l'avenir. Merci beaucoup, coordonnateur du Boton du Bayi Congomani. Surtout les partenaires et à libre débat. Numéro mon panier sanguela affiché. Voilà. Ceux qui vont soutenir, mais mission nous sont dans l'ensemble été. Mais moi, j'ai besoin de nous reproduire club. Il y a mercredi sur le terrain. J'ai besoin de la logistique. Là, on a pour ça la sécurité. Là, on a pour ça l'organisation. Il y a des camalamo. Tu quittes le terrain, population en appui. C'est comme ça que nous envisageons. Si vous ne m'appelez pas pour ça, parce qu'on veut conscientiser le peuple, mais pour soutenir mon panzi sans route. Natik, tipo. Moi, je suis Joseph Mbenza. Tout ça, c'est un peu de parce que la réalisation que ça, c'est un peu de temps. Parce qu'il y a un autre programme juste après nous. La télé, c'est le temps. Il faut faire avec. 8 minutes et pas inayo. Est-ce que le lot, tu as dit que solo as dit que tu as dit la projection. 30 ans, 20 ans après, quel type d'État, tout le monde dans la campagne électorale, personne ne nous a dit, ni nous sommes dans 30 ans, ni nous sommes dans 40 ans, bientôt 100 ans, donc tout le monde dans la campagne, tout le monde dans la campagne pendant un siècle pour ne rien foutre. Est-ce que serions-nous sérieux pour l'histoire de nos enfants ou serions-nous sérieux pour la suite des événements y a Makamuruya dans l'avenir? Merci pour le deuxième temps d'antenne. Bon, pour nous sommes prochainement. Parce que moi, je suis convaincu de cela, il y a des problèmes, parce que c'est une œuvre humaine, il faut l'adapter dans le contexte actuel. Bon, pour l'administration prochainement. Mais nous avons une proposition, mais je vais revenir dans l'histoire par rapport à l'État et à RDC. Au moment où nous avons il faut une table ronde. Table ronde, on est un politicien. Table ronde, on est un scientifique. En commençant par des anthropologues, des historiens, des sociologues, des politologues qui sont devenus à la merci de la politique aujourd'hui. Non, là je ne suis pas dans cette optique là. C'est-à-dire que bah réfléchir parce que je suis d'accord parce que bateau bah ça là bah nation comme ce sont des érudits, ce sont des penseurs, ce sont des grands esprits qui ont émis parce que dans la sociologie politique balobi les discours politiques est un tendon d'Achille pour une gouvernance politique. C'est-à-dire les mots que tu sors, il y a tu te crées un leadership, tu te crées un environnement ou Badazoka. Parce que Bissot, c'est ce qui n'a pas pénétré. Moi, je souhaiterais que décider au Bazolanda Bissot, Bassal et le Kouana. Deuxième proposition. Mais proposition où est liée à Elorona Loba. Dans l'histoire du monde, même les grandes puissances que nous voyons aujourd'hui, Otozomona Lelo, ils sont passés par ce que nous vivons ici. Mais malheureusement, Bissot, on vit au 21e siècle.
Makambo biso to vivre le loba ba monango. Mais biso ko interpeller biso na. Mais biso ko ezana 21e siècle parce que au 17e siècle sur telle histoire en monde au moment que les États-Unis ont connu le problème avec l'Angleterre et ils se sont autodéterminés bah dit non ça ne peut pas continuer. Même le Japon a maté la Chine. La Chine se dit non. L'hégémonie japonaise. Vous comprenez ? C'est le moment que nous, nous devons nous lever pour dire que non, ça n'est fini. Il faut bâtir des murailles en tant que nation. Vous comprenez ? Alors ça, c'est un travail de chaque jour. Il faut des émissions, il faut... Mais il ne faut pas oublier. Ngan a poussé ma canisse un peu mon moussika. Est-ce que Toyebaka vraiment la vraie nature du Congo sur le plan sur le plan international parce que nous sommes partis de l'AIC Association internationale du Congo Toyena était indépendant du Congo nous n'étions pas là donc c'est-à-dire autour du Congo il y avait déjà une organisation pour nous piller pour nous exploiter et puis ça n'est pas fini vous voyez que j'ai lu un document ami en le 2 août 1939 le scientifique, ça je parle au Congolais, va décider, va avoir une décision à la légère. Va comprendre que le Congo, c'est un état un peu particulier par rapport aux autres nations. C'est l'autorité association internationale du Congo, état indépendant du Congo. Au moins, la question est différente dans le pays union africain. Alors, il est maintenant temps que le politicien, la biso va tikabou, excusez-moi le terme, mais bouzoba, na légèreté, na décision, na conduite politique, il y a action na bango. Il faut pas nous comporter comme un état banal, ordinaire. Imaginez, alors que tous les pays moraux qui a des velléités de puissance. Le scientifique américain, en premier lieu, Albert Einstein, dira à Roosevelt, pays où on a osomona na Congo, sobo tiki ango bango moko, bisoto souffrir. Botika ango pe sous nini leadership pas bien sauté. Faisons pas tous les moyens que tu contrôles le pays. C'est alors que la première doctrine des États-Unis dans la politique internationale là-bas sur la RDC Botama. Il faut ce que les Congolais vont pénétrer. Qu'est-ce qui a été dit dans cela? Et les Arabes américains, c'est d'autres pays aussi, d'autres puissances. Nous sommes allés en 1975. Là, on a Henry Kissinger. Il n'y a pas longtemps ici. Comment maintenir les pays pauvres dans la pauvreté? Mais parmi les pays phares, c'est la RDC. Nous sommes encore allés plus loin. En 1983, il y a le monsieur Shamir, qui est un ancien premier ministre israélien, qui parle à notre ambassadeur en place en Israël. Il dit, il est impossible qu'un pays puissant puisse vivre à côté d'un pays pauvre riche. Vous serez toujours maté. Alors, la seule solution, devenez puissant. Devenez fort. C'est ça la quintessence d'une nation. Vous comprenez? C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire, on dirait moins inconscience moko collective par rapport à la vraie valeur, il y a moko tozana comme RDC. Parce que pour les savants américains, c'est un pays qui regorge depuis 1939, s'il vous plaît, qu'ils avaient déjà des minerais stratégiques. Qui ne nous bénéficie pas? Je suis d'accord avec Sahel Mpoul, parce qu'il y a deux éléments. Oui, ça, la nation à la maca, c'est l'économie et l'armée. Parce que c'est l'économie qui influence les autres secteurs. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça pose un problème. Donc, il est difficile de bâtir un État, une nation puissante, tant que nous avons une économie exsangue. C'est-à-dire, il y a un niveau moko oyo, on ne sait même plus déterminer qui si c'est tangue. Une économie qui tangue. Donc, moi, je suis de ceux-là. Il faut que, à un moment, hein, moi, sur ce collectif est là. Pour dire que non, ça n'est assez, ça n'est fini. Tout changer physique d'épaule. Parce que ça en est trop. Ici, il ne s'agit pas des sentiments, je suis de tel parti. Ici, il s'agit de la nation. C'est-à-dire que même pour la Bangomoro-Bamindela, peut-être ils se disent que non. J'ai lu encore un document d'un grand penseur qui dit ceci, le système dominant trouve que Congo, c'est un grand tout, adverbe de quantité, qu'eux, ils ne méritent pas. Comment? Pour eux, c'est une injustice naturelle que Dieu a infligée à la communauté des nations. Ce qu'on peut là-bas réparer en gros, il y a des écrits qui disent est-ce que la politique n'a pas tant qu'à les enjeux de ce que représente un État comme la RDC. Ce qui est basé vraiment dans Moutou Nabango, même agir politique n'a pas été différent. On allait se dire que non, ça, tout ça, la tête, ça, tout ça, la. Vous comprenez? On peut diriger Malam, on peut diriger Bokende Rébellion. Nous tous, nous avons une valeur commune. Mais l'élo, je crains fort. Qu'on a encore beaucoup par rapport à ce
On a encore. Moi, je Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à un certain moment, bah, si je n'ai pas eu, parce que comme au silica, ça dérange. Au lieu d'interpeller, ça dérange. Normalement, ce qui m'a dérangé dans ma cambo, toujours attaqué, c'est que ce n'est pas un patriote. Celui qui est patriote, comme vous l'avez dit, alors le bah, ah, tiens, pourquoi pas des décideurs, bah, ben, bah, tourner, tibouye. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'air? Bah, quand Gabiso. Bah, quand Gabiso. Non, dans le sens que, Silicon Valley. Quand on a le sens que. On aussi, les alliés, bah, enfermer Bissot. Tobi Bissot. Bon, y'a, alors, ton Kangé Bino. Gandhi a dit ceci: si les choses ne changent pas, il faut puiser dans votre imaginaire. Il faut puiser dans l'imaginaire congolais. Il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a, l'imaginaire, Gandhi l'a dit. Cognosti, papa. L'imaginaire. Mais pourquoi? Non, n'a cognosti. Bon, Ndengo Lobby, je te le concède. Il y a des matières grises dans ces pays. Il y a des gens qui réfléchissent. Alors, il faut tout bimana bablo qu'on a. C'est-à-dire, il faut tout même constitution d'Abisso. Même constitution d'Abisso doit être refaite. Pour le bien du pays. Pour le bien sans du passion. Pays. Sans passion. Et puis, la constitution, là, besoin dans le bas-bas-sali, droit, bas juriste, parce que dans le pays sérieux, il y a qu'en dernier ressort. Même dans France, il y a la constitution, bas juriste, il y a un souka. Il y a un politologue, un sociologue, un historien, même un journaliste. On prend même des journalistes et réfléchissez. Merci. Et puis, tant que vous avez un juriste, parce que vous avez un amour. Bas même ici, nous sommes. Tarakaoto, ça va dans un parti majoritairement responsable de ce qui nous arrive. Des gens qui ne s'accordent jamais même sur les textes écrits, parfois produits par eux-mêmes. Je conclue pour dire peut-être que nous ne pesons pas la valeur de ce que nous avons. Merci, merci. 2 345 4 10 km². Merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup, mon amour. Donc, on est obligé de revenir dans 7 minutes ou accorder 8 minutes pour aller plus. Les plus avancés en termes d'Anani, Limbisanga, parce que ce n'est pas trop débordé Nathan, c'est de bonnes choses, mais aussi il faut que les partenaires viennent pour que bah peser sur le temps et aussi nous aider à pouvoir faciliter les Congolais, bah, comme on a vu son niveau, moko, parce que c'est de ça. Nous voulons élever les débats à un certain niveau. Il faut les moyens. Comment on a dit que l'ouvrage, le Roland Benza, la semaine, il a 3, 4, 5 ouvrages lus, mais il n'est pas utilisé dans le pouvoir où il fait partie. Mais je vous dis la vérité. Mais je cite Naobandela comme on a fondé les sources. Lukulas est utilisé, est nommé. C'est injuste et incorrect. Au fond des sources. Je les dirai jusqu'à fatiguer pour que ma gambe ça les bien. Na linga pe clandestine. Dans mon argent sources. Moi, je ne sais pas si c'est elle. Avant que tout ce qui s'en a de focus ou qu'elle mette à tous les quelques appels, Cordoise aussi. À un moment, il faut titiller ces gens parce qu'ils ne veulent pas prendre. Je vous présente ce qui est bien. Bolingi Gozoate. Coordonne au gouvernement et à Sika, il faut coordonner la primature. Si on ne vous prend pas, Tozo, donc la maman. 10 secondes. Normalement, en politique, ouais. Au Talibien, il faut qu'il y ait des politologues dans tous les cabinets. C'est important. Je sais que l'émission ici, parce qu'il n'y a pas assez de politique. L'émission ici est suivie na Mobali à maman, première ministre Nabisho. Donc je vous informe qu'à tout moment on peut vous prendre pour aller donner. Maman est morte. Non, Mobali à Zolanda. Maman a très occupé. Hier, je l'ai vu aller visiter Kabuya. Non, ce n'est pas l'institution qui se déplace vers les individus, c'est les particuliers qui viennent. Madame, maman, pardon. Et Banda Bongote. C'était à Kabuya de venir vers vous. Ce n'est pas bien. Ça, c'est un conseil d'un cognostic qui donne à sa première ministre, à maman en plus. Non, c'est... Monsieur Kabuya, déplacez-vous. Vous n'êtes pas un dieu. Moi, je suis Patrick, c'est quand même un peu. Ne vous attaquez pas, moi. Donc, j'ai fermé les micros. On est dans angle fermé, circuit fermé, verrouillé pour ne pas dire ça. Pourquoi tu as la terre? C'est quand même un peu. On gambo. Projection de lobby dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans. Le Congo est rien. Le Congo ne se projette dans rien. Le Congo n'a pas de données. Le Congo n'a pas de piliers en ce sens. Comment nous avons vu vrai? On dirait à Sombalia et Sila, à Ebiwego, à l'obité. Covid, des fois, des surprises. À tout temps, n'a même pas 4 respirateurs. Dans un pays sérieux. Est-ce que c'est un état où le magamou fenge et kendeka qui bouli qui bouli? Non, merci pour la moutou. 7 minutes. La projection. Mais avant d'avoir la projection, oui, cher Mbenza, les juristes viennent en dernier ressort parce qu'il faut éprouver les textes historiens, politologues, face à la loi.
OK, dans des pays sérieux, c'est comme ça que makambango est ça maka. Mais siko na pays na biso siko na ba juriste en autobité sur photo to ben d'abord on a dernier ressort parce que appareil judiciaire na biso ezan ndenge boyebi kezali. Bayate. Boyebi ndenge appareil judiciaire. Ça dit que donc est-ce que Congo to za pays moko émergent? Est-ce que Congo to za na nous dans la construction de l'État? Qu'est-ce que to se situer où api? Ça dit que nous sommes où? Regardez, je vous donne un exemple. Depuis la nuit de temps, tu as dit que le bateau est en Moyen-Orient. Force n'a pas de pétrole. Il y a une guerre, il y a un Iran, Irak, les Américains vont dans la cimane. Ils étaient derrière le pétrole. Mais quand eux ont compris que dans les années qui viennent, la prospection, ils se sont rendus compte que le pétrole est en Moyen-Orient dans 20 ans. Et que ça a été en Moyen-Orient. Ils ont changé les fusils d'épaule. Il y a un moment, Dubaï, il y a un or. Tourisme, entre autres, le football, Bastar, il y a football, parce qu'ils sont en train de projeter demain. Babie, lobby, si vous soyez hors et si l'it au sougab. Baketina box, c'est-à-dire que ils projettent l'avenir. Baketina de lobby, tant que pétrole est aussi là, tout ça, or. Tu as créé une entreprise dans le Congo à or. Maintenant, or, on est au Kende. Tu as déjà la population, ba Cristiano, ba message dans le tourisme, tu as un combat, minéne à boxe. C'est ça un État, c'est ça une nation, c'est ça les gens qui réfléchissent. Deux choses. On sait que dans un État, Bilomi Baletoko dissocié en auto, Oeko Zangate pour éteindre l'État, c'est la prévision et la provision. Et il faut dire que Bazaki soit disant à des immeubles vers les années 60. Mais le lot qui n'est pas là-bas, immeuble. C'était un port de pêcheurs. Oui. Mais le lot, dans les déserts, on a battu une nation que tout le monde envie aujourd'hui. Quand nous avons la prévision, nous allons aller vers la provision. Parce que provision, il y a qu'à tant que prévision et c'est salami. Non, posez-moi, excusez-moi. Sénégal a où tu as la nouvelle ville? Parce qu'ils ont projeté. Bah, t'as les villes là-bas, on est dans 10 ans, tu es au Kokate. Tu crées une nouvelle ville pour contenir les Sénégalais. Les lots qui sont au Sénégal, les lots qui sont. Mais nous sommes ici dans ce pays, c'est-à-dire que nous te réfléchis à l'actualité. Bah non, mais maman ministre, ah, tu m'as dit ce que tu as dit, maman Nazanani, tu as dit maman Nazamundele, oh papa Nazanani. Ok? Ça, c'est le Congolais. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on pouvait projeter ça avant? Kinshasa est habité à 12% seulement. Tu le bas, chaque jour. Kinshasa, bisous, c'est ton kangami, la lingua là, 12%. Espace Oeza inhabité à Kinshasa, c'est 88%. Qu'est-ce que les gouvernements qui se sont succédés ici, bah projeté pour toute la population pour Kinshasa, tout qui concerne la banque côté. Est-ce que il dit que si quand ça maille ndombe, et ça Kinshasa. Nambankan. Au quand ça maille ndombe, OK ba menkao. OK na dumi, OK na mutiene, et ça na Kinshasa. Timongata. Et ça Kinshasa. Qu'est-ce que gouvernement n'a biso bazo projeté pour Kinshasa la province à Kwango et bani na Mongata. Donc Kinshasa va vers là. Voilà. Kinshasa lobby, tu as l'ingi nini, tu as l'ouka nini pour la Kinshasa lobby. Pour banda ku déjà, tu as la Kinshasa par contre, il y a 5 mètres sur 8. Parce que tout le monde veut être là, là, là. Na bandal. Tu peux si bon vision, mon autre. Banandal, banan Paris. Kenne au banda après ma innombe. Un demi carré. Parce que même le gouvernement ne réfléchisse pas pour ça. Mes frères, n'a posé mon tour dans mon roboué. Bon, tu as dit cela, Tobi, une nation a des références par rapport à son histoire commune. Si on tourne à Kinshasa, jusque dans l'année 73, les gens ne veulent pas lire l'histoire. C'est quand tu connais ton histoire que tu deviendras patriote. Est-ce que tu as dit que tu côté de l'armée et Zaki Bakongo? Si tu as dit que tu l'église de la congrégation de Mbanzangungu, et la commune de l'église catholique. C'est-à-dire que tu as dit que tu as dit que tu Kinshasa. Bango comment on dit, ils font leur rapport na diocèse na bango oyeza na Mbanzangungu parce qu'ils se reconnaissent comme étant baton Mbanzangungu. L'histoire même de la RDC n'est pas connue. Le Belge par le Congolais bien sûr. Le Belge nous a inventé une histoire fausse sur même Lumumba, notre héros national. Ben on a besoin battant en haut la classe. Nous ne connaissons pas notre histoire. Nous avons vu il n'y a pas très longtemps le bourreau qui nous a ramené la dent de notre héros national. C'est-à-dire que l'assassin qui nous emmène la dent. Que non, le non, monsieur que non, vous pleurez non, là, non, c'est la, moi qui l'ai tué. Dont l'ADN n'a pas été vérifié. Il nous peut ce qu'il y a. Yangoul, il faut fêter en haut.
Limitation territoriale. Est-ce que nos territoires sont limités? Monsieur Mozi Dolobaki, à un moment donné, il faudrait faire des barrières de fer. Comment il a appelé murs. Ça? Des murs. Mais est-ce que nos territoires sont bien limités? Mais ce sont nos territoires, et ce qui est pied. Aujourd'hui, permettez que je fasse ce raccordement. Vous savez que na est kuna côté il y a des généraux. Oh, ceux qui mission ya ONU. Mission ba organisme mingi eza kana Congo wa. Ceux qui faut ba kende kuna, ba kende n'est pas généraux. Ba si généraux? Général. Général pardon. Général n'engeza boye, donc il na tel district. Yo faut benga chef ba rebelle azakuna. Muta ba benga nani? Général. Général a faut benga chef ba rebelle azakuna a expliqué bango, bon mon jeep moko ya bleu et goza na 4 personnes. Bosi mangote. Bosi mangote eza ba ya pnud nde ba okende ceux que ça ni. Entre guillemets, général, ou on les a trahisons, ou les a trahisons. Regarde, à un moment donné, il faut qu'on crée des choses où il y a sur le patriotisme. La nation se crée aussi avec le patriotisme. Tu ne peux pas venir au Congo faire ce que tu veux et Congolais vont t'aller au Congo. Je venais, je réfléchissais avec un ami Nobi. Je vous donne 2 ans. Dans 2 ans, ma boutique est belée à Congolais et Kangama. Pour le lingue, ma supermarché, ma indie, je vais vous dire ça. Si le gouvernement ne projette rien pour 2 ans, le Congolais a au côté de la chômage. Dans l'lobby, le Congolais ne fait pas 8 heures de travail, il fait 8 heures au travail. Mais si pour le Congolais, il a besoin de conscience. Il y a que ceux qui n'ont pas de vraiment de salaire. Il faut sentir que nous autres, les mines, nous avons de et que nous avons une impulsion, nous avons pas de salaire. Mais nous avons de salaire, ceux qui vont filmer, ils vont aller au Parlement. Ceux qui vont filmer, ils vont aller au Parlement. Ils vont aller au Parlement, ils vont Il n'y a pas de projection. Quand il n'y a pas de projection, il n'y aura pas de prévision. Quand il n'y a pas de prévision, non, quand il n'y a pas de projection, je voulais dire, il n'y aura pas de provision. Or, le Congo, aujourd'hui, dans notre banque centrale, il faut qu'on ait de provisions en termes d'argent, il faut qu'on ait de provisions en termes d'or, il faut qu'on ait de provisions en termes même de diamants. Mais quand il n'y en a pas, c'est que le gouvernement a failli. Merci, mon amboka Patrick Sahel Mpoy. Beaucoup à dire, Yakolo Baizali et Belé, Likambangonga, et Sengeto s'en tenir Nathan. Et voilà, encore une fois de plus, les partenaires vont agir parce que la télé va avec les business. Donc si les partenaires ne viennent pas, réflexion et amopanzissan, oui, quitte à Ramakas, parce qu'il doit penser en même temps social, société, en même temps réflexion, sujet, thématique, tout ce qui va avec. Donc c'est très important que nous ayons le partenaire qui soutienne la chaîne Semaine 13, Yerozalamana Moumingipé particulièrement, et émission libre de débat. C'est tout ce que nous attendons de vous. Mon amboka Fokas, pour que les menaces, car tout aussi, Sanayo, avant que nous soyons 5, appel et Bakongoman, et déjà, pour recharger ma crédit, pour pousser le Moussika à la télévision, le numéro de la financière, le libre de débat, et Sougui, la 539, pour que nous soyons tout à l'heure, pour que nous soyons au Bokanissi, pour que tout aussi ça, au retenir, bien sûr, parce que les émissions scientifiques, on n'a pas besoin de contradictions. S'il y en a, bien sûr, scientifiques, Togondi Mayango, on est volontiers. Mon amboka Fokas, pour que les menaces, est-ce que nous pouvons nous projeter, ou bien il est impossible de nous projeter au stade actuel au regard des éléments. C'est possible. Pourquoi? Oyebi chrono. En 1876, si je ne m'abuse pas, les Congo ici, Oyo Babengi Congo belge, Oyo Zalaka, la terre à Nkunyata et comme EAC et comme EIC et comme ITI et comme EIC, ainsi de suite, Congo belge, TI, Lelo et comme RDC. Ça a été réfléchi en Belgique. En 1876, le roi lui-même, il a convoqué une conférence. Conférence de Bruxelles. Kuna ba politicien ba kota gité. Kaka ba scientifique de l'Occident. Il a mis les paquets. Après, il y a Kosololana, explorateur, ou y a pesa qui est goût, y a aventure, y a Kosa la colonie Awa. Le roi a décidé d'appeler les scientifiques de l'Occident na conférence de Bruxelles à ABC Bango Posanaye Tala Posananga Ezali nazwa colonie moko na place Oyo explorateur Aoutkoya Koye Bisangai eza place telle donnez-moi des résolutions pour que na sala aventure et les rois akoma awate mukolo vision wana mukolo posa wana il n'a jamais vu ça. Mais il avait tout ça dans son esprit. Nengazaki na Belgique, wana, tout ce que nous avons vécu ici, Bisoto, Mona Awa, lui, il en avait na esprit. Et il n'avait jamais foulé ses pieds ici. Voilà, il en avait dans. Donc il a cru na richesse à Mona Guité, mais a bénéficié à peine la richesse à Mona. Mais oui, il a vu ça, il en avait dans
l'imaginaire. Donc d'abord, parce que combat est matérialiste, idéaliste, et Zali, voilà, qu'est-ce qui précède? Est-ce qu'ils en ont nous, les matériels, les concrets, ou bien d'abord les idées? Mais nous disons que roi déjà, Azaki n'a pas ça, il y a une idée pour matérialiser un mot par rapport. C'est pourquoi une nation doit d'abord être une réflexion, une idée. Alors, il faut se poser la question, à quel niveau, à quel moment, nous avons déjà réfléchi Congo? Pour conférence, il y a une politique, il y a un nombre de conférences, il y a un nombre de conférences, mais la réflexion sur l'émergence d'une nation Congo, parce que monde en 2040, il y a Les Américains ont réfléchi. Et puis, Awa, ils ont réfléchi aussi pour vous. Donc, dans le compte, il y a Congo. Bango va réfléchir déjà. Oyo, Oya Bango, Bazo Kanisa, pour le Congo. Et tant qu'acteur, dans le cas de la mort. Et nous-mêmes, pour nous-mêmes. Est-ce que Bisso, pour le Congo, tu réfléchir? Est-ce que Bisso, pour les États-Unis, tu aussi tu réfléchir? Rien du tout. C'est pourquoi il faut Oyeba, pour atterrir dans la bonté. Déjà, quand on parle de l'État, bien quand on parle de l'État, la nation, c'est tellement sociologique que l'élément majeur, il faut tout dégager, c'est l'identité. Quand on parle de la nation a besoin d'affirmer une identité existentielle dans quatre espaces monde. Mais l'État a besoin de l'élément majeur, la puissance. C'est pourquoi on appelle l'État le Léviathan. L'État comme on a yé Moussousou, surnom na yé Aboyanke, ezali le Léviathan. Qui signifie quoi? Un grand démon qui est très puissant, qui ne fléchit pas, qui ne recule pas. À qui on reconnaît le monopole de la violence. Voilà! Maintenant, c'est Léviathan ici. Yé Moussala na yé, Ey na yé, ezala rassure les opposantés. Non! Sur les émissions. Ici, le Léviathan, ici, l'Issounaïe, il regarde quoi? Il regarde l'ensemble des territoires. Nanya Simbi, Nanya Koti. Atalani, espace aérien. Nanya Leki, Nanya Meki. Atali, les eaux continentaux. Soko Kei place l'État Zali. Papa, Soko Telemikaka, Atana, moi, bateau, na yo, na ndengeka ya, ya Bouzoba, na 22 km wana. Boum! Il faut pépé là. Soko Kei sans autorisation. O Leki Kaka National Kolombo. Sans autorisation. Il y a Léviathan. Kaka wana. Espiration. On a pris l'État. Il filmé Nanga. Il a filmé Yanaki Wanja. Yoka Wose Kisa. Et l'État congolais. Ancien chef de l'État. On nous apprend publiquement que Abimi Bayebide. L'État est là. C'est quoi? Vraiment. Et c'est un des pités en exercice qui dit ça. Et lui, il devient porte-parole de la DGF. Ah non, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, quand on appelle Sirno Wana à Léviathan, c'est-à-dire que c'est Léviathan ici, il est très puissant. Est-ce que il faut Tommy Tuna? Est-ce que l'État Nabiso a si à atteindre capacité on a yato bengaye Léviathan? Ça c'est la question qu'il faut se poser. Mais question mususu au photo mituna, parce que na okagine de gobenza ape ya dégager énergie wana lobby Belgique, est-ce que a construit ça qui une nation ou bien un état? Je crois que la Belgique ne pouvait que construire un état et non une nation, parce que la nation ça allait vers ses intérêts. Non, oui, l'état c'était un mécanisme, une structure mise en place pour l'exploitation des minéraux. Mm-hmm. Ça c'est normal. Mais la nation, il avait quel intérêt pour construire une nation? Et d'ailleurs, lui, c'était un colosse, un étranger. La nation est liée à la souveraineté et au souverain. Donc, Ezali, œuvre, construction intelligente, yaba autochtone. Ce sont eux qui ont un ancêtre commun, une histoire commune, qui ont le désir de demeurer ensemble jusqu'au bout. Mais un colon, quand il vient, il sait que plus tard, Narokenda. Donc, de dire Wana, il a redémarré ensemble jusqu'au bout et pas à colon et cause à la tête. Donc, il ne peut pas en aucun cas construire une nation. Pour vous, vous devez construire votre nation vous-même. Ndeko, Mone Kalobi Boué. Oh, chité Wana. Mundele. 30 secondes, téléphone ouvert. Il posait la question. Mouto yonenge aye Boué, Nakatia Kinshasa,
yeba ki ayo sala kaka 27 jours et puis na 27 jours tozo linga toyo kake azongi mais c'est parce que mundele ayeba ki ke mutu wana il faut azonga esika waza utile là où il va travailler, il va produire la richesse pour lui, parce que cet homme là qui est venu na Kinshasa a créé vide kuna caoutchouc et kokata maté bilanga ko sale maté loso ko sale maté. Donc, aza perte, il faut azonga. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, ce qui peut repéguer mutuke, il faut azonga. Aoke zonga pour assaler la l'état ni place à okende. Merci, Focas. Donc, tout ça, ce sont des questions. Mais, na conclusion, toling tolobake, état-nation, ezali dynamique mibale kangami, oyobabengi, la mère patrie. Merci. C'est-à-dire que, objectivité, téléphone ouvert. La subjectivité, et sangani pour que épée ça une vie réelle il y a existence il y a mboka na kati merci na monde. Merci mon mboka na tondio botondi voilà enfin toko terir en douceur tout à l'heure boko landa semer chez vous mon mboka président ya DD Congo prince Epenge ako yamba ndeko Nathan Kianzana Tanis Mobwadi ne manquez pas tout à l'heure juste après est libre débat téléphone ouvert toko reçoit 5 appels pas plus ni moins au bengi biso pour ça ni musique à télévision na yo au pc biso avis na yo 1 minute 30 chacun pas de débordement boyebi logique qui n'est pas à Kanango, au commun biso per message, n'a pas besoin de message tout à l'heure, le temps pour premier Congomani, pour y'a benga biso depuis Kinshasa, j'espère. Parce que bon, comme on l'a biso de partout. Mote mon amboka, au benga biso à peu comme on l'a. Oui, mote, c'est ça, James, na la bengi quelque part. Pas de problème. La bizarre, y'a une question à vous, et il faut une zanaka, parce que. Les intellectuels bazar reconnus dans beaucoup aussi. Utilisez moins volubilité, zara moins véloce na maloba. La télé n'aime pas la lenteur. Oui, non. Je disais c'est si Tozan a besoin d'une émission, nous sommes prêts à soutenir ça. Il faut appeler par ce même numéro après pour prendre les dispositions nécessaires. Ok. Merci. Je vous en prie, Ndeko. Voilà. Au Bengibiso, au Pessibiso, surtout point de vue na yo, par rapport à l'émission. Des bonnes choses, oui. Soutenez, surtout les partenaires, les businessmen. Babé Dachou, ba soutenir à Mouta Djembe Moutou. Moi, ça, Babé a fait ba soutenir à Ils appellent Mouta. Mouta, mon amboka. Au Bengibiso, un peu comme on a. Babé Dachou, y'a mon rotin. Allô, mon amboka. Au Bengibiso, un peu comme on a. Oui. La Bengibiso, on a dit, ma chèque, elle est comme Mitterrand. Non, non, papa, on change la comboté, n'a pas jaloux. Tokei, mon amour. Tokei, le Koloba. Oh là là, il doute de son existence. C'est comme la RDS. Bonjour, papa, non, non, pourquoi le choix du chef tombe toujours chez. Ah non, papa, on a s'il vous plaît. On est en train de construire un État-nation, il y a d'autres qui ont considération à taille au monde. Jusqu'à quand vous allez continuer avec ces gens de débat? Mbote, mon amour, au Bengbiso, un peu comme on a. Bon, en direct, Ndeko, pourquoi tu doutes de toi-même, Loba Tozo Kayo? Oh là là. Ndeko, s'il vous plaît, permettez Baninga Basusuba Bengabiso parce que nous perdons des temps. On ne revient pas sur la même personne deux, trois fois, s'il vous plaît. Toi, capitalisé, Ngonga, parce que Zali, jaloux, Zapé, précieux en même temps. S'il vous plaît, en tout cas, Limbisabiso. Bonjour, Ndeko Nono, c'est monsieur Yves Nzundu depuis Ngadema. En tout cas, Béjan, il y a des missions à Boye, Tolingi, et continuer, et Koba, et Sengeli, va soutenir Yango. Oui, moi, on a des belles amours à Zaka. Non, pas disant, mon colo, mon tout, y'a pas jeté. Mais ne vous en faites pas, c'est pour la nation que nous le faisons. C'est notre petite contribution à l'édifice Congo, et Sengeli, tout ça, Yango. Bonjour, Ndeko Nono, Kourou, c'est monsieur Mokomena depuis Lemba. En tout cas, l'émission d'aujourd'hui est dans une dimension vraiment scientifique et intellectuelle et facile. Je félicite les cordons, Christian Moleka, pour cette façon de décortiquer l'hymne national. Ceci doit être enseigné dans des écoles, que notre hymne est aussi impératif. Est-ce que l'enseignant connaît impératif et ça, tantôt et ça, mode? Ça aussi, c'est un autre problème. Il faut les aider. Motez-moi l'amboka, au Bengbiso, un peu comme on a l'impo, s'il vous plaît. Mon amboka, s'il vous plaît, Eko, s'il vous plaît. Au Bengbiso, un peu comme on a technique, s'il vous plaît. Il faut aider mon pendissant, s'il vous plaît. Tout ça, ça indispose, ça fait pas bien. Bonjour, Ndeko Nono, Yves. Voilà, et ce message dans votre tangue, Ndeko, s'il vous plaît. Motez-moi l'amboka, au Bengbiso, un peu comme on a. Bonjour, libre débat.
Malheureusement, je ne peux pas continuer avec des appels parce qu'elle est débordée largement. Moyen appel ça paie. S'il vous plaît. Moyen appel ça paie. Conclusion exacte. Moyen appel ça paie. Conclusion exacte parce que nous sommes rattrapés par le temps. Et monsieur, comme il pratiquement dans son cas, n'a tourné bino boton, surtout pour la disponibilité, n'a bino, 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 c'était un plaisir. Il y a repartagé, mais ça n'a bino, mon amboka cordon, Christian Moleka. Merci surtout pour l'intelligence, au bino, pour dégager un message. Je crois que c'est pour l'intérêt du pays. Merci, mon amboka Joseph Menza. Merci, Focas Oukele. Mais Joseph a la capacité de supporter même les chocs qui dérangent parce que c'est la science. Et c'est comme ça, sur au quotité. Patrick Sahel pour une attente de bouton. Voilà l'émission Kominasuka. Tout à l'heure, n'oubliez pas, Prince Pengue, Nathan Kianzangeleka, Nathanis Mobadi. Émission Kominasuka, Nathan Dibino Bouton. Du lobby, Tozongel Nabiso rythme Nabiso. Soyez bonne qualité, la qualité a un prix. Bouton à la question, monsieur. Au revoir. Salut.